Ils sont pour certains assis dans leur salle de classe et d'autres dans la cour. C'est l'heure de la pause. Au dire du proviseur, l'établissement dont il a la charge se porte bien et les cours se déroulent dans la sérénité. Pour ce qui est du lycée d'État Richard Ngoambekale, je peux vous rassurer, hein, vous pouvez même vérifier tout à l'heure auprès des élèves, des enseignants, que depuis le début de cette année, les cours se déroulent normalement. Nous n'avons pas connu de perturbations de quelque manière que ce soit, que ce soit du côté des personnels administratifs, que ce soit du côté des enseignants comme du côté des élèves. Tout se déroule normalement. Élèves et enseignants du lycée d'État Richard Nguema-Bekale ont de la chance. Leur établissement termine le trimestre en beauté. L'établissement est piloté à l'image de son dirigeant. Vous avez fait le constat que tout se passe bien ici. Nous venons de terminer le trimestre. Si les élèves continuent à venir, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller en vacances sans connaître leur sort. Ces enfants-là sont nos jeunes frères et sœurs. Ce n'est pas que nous ne revendiquons pas, mais nous avons vu qu'on peut revendiquer effectivement en continuant à faire notre travail. C'est ça en fait l'emblème, ou bien c'est le reflet du lycée Richard Nguema-Bekale. L'administration, le corps enseignant et les élèves du lycée d'État Richard Nguema ont respecté les dispositions du calendrier pédagogique national.